une petite intro pour laisser les gens arriver. Ceux qui écoutent en rediffusion, vous pourrez avancer d'environ 3 minutes 30. Thème COVID. C'est 1500 piastres de cricket si tu mets les pieds à la cassette. J'allume des fusées pis j'envoie ça des airs comme la NASA. Tu veux parler conspiration? Si j'étais toi, j'irais pas là. Direct de mon camp de concentration, j'aiguise mon papalan. Je cache ma colère derrière mon pantalon. Ils veulent m'apprendre à me détendre en faisant des mantalons. Y'a pas de collabo dans mon armada. Besoin d'une cible à démolir, sinon je rappe nada. C'est pas si mal, ça va. Mais je leur donnerai pas la chance de me manger la laine sur le dos comme un alpaca. Ça va bien aller, mais j'ai bien vu la peau. Ils nous ont menti pour le bénéf comme l'industrie du tabac. Y'a pas de corrado, ils ont piraté nos data. J'ai l'arbre sur la plage avec un fucking pinocolata. Aucun dialogue, dis à l'homme que j'ai du mal à voir la lumière au bout du tunnel comme les Tiziana. Ça va, les mesures sanitaires font plus de mal que le virus, mais ça va, ça va. Être complotiste est un nouveau terme à la mode, ils ont emprisonné le monde, mais ça va, ça va. Ça va, ça va. La SQDC et la SAC sont des services essentiels, mais ça va, ça va. Un masque c'est bien, mais deux c'est mieux, ils nous ont mis un couvre-feu, mais ça va. Je ne vous souhaiterais pas joyeux Halloween à coup de katana. Mon frère, c'est même pas la peine de dire Hakuna Matata. Au nom de rien du tout, ils sont devenus fous fados. Ça parle, ça queen, ça trahit et ça triche. Après, ça joue à 100. Je suis une menace pour les moutons comme les loups dans le Montana. Rien que pour voir ce que t'as dans le ventre, je vais te rapper des rayons gamma. Je paierai pas 2000 ronds pour assister à ton gala. Ils veulent nous vendre du rêve, j'ai déchiré le pont d'achat. J'arrive comme une balle de douce dans une piñata. Au-dessus, j'ai vu un poisson rouge transformé en piranha. La vie est assez dure, j'ai pas besoin de vie à grand. Et si j'aurais, et j'aurais dû, jamais je ne me fie à 100. Ils ont reçu leur PCU, sachant au Canada. Assis en rond au pied d'un arc-en-ciel, en check en TVA. Les différents paliers se renvoient la balle, mais ça va. Ils ont flingué la liberté d'expression, mais ça va, ça va. Ça va, ça va. Les mesures sanitaires font plus de mal que le virus, mais ça va, ça va. Être complotiste est un nouveau terme à la mode. Ils ont emprisonné le monde, mais ça va, ça va. Ça va, ça va. La SQDC et la SAC sont des services essentiels. Ça va, ça va. Un masque c'est bien, mais tout c'est mieux. Ils nous ont mis un couvre-feu, mais ça va. Je vois pas où je te tiens le téléphone dans la grâce. C'est plus ça qui m'intrigue. Ça va, ça va. Ouais, fait que pour ceux qui se posent la question, c'est l'artiste, c'est Saye, S-A-Y-E, puis ça va. Le titre, c'est ça va. Fait que je la trouvais bien bonne, je me dis ça va laisser le temps au monde d'arriver, puis j'ai averti avant que vous rentriez, ceux qui écoutent en rediffusion, vous avancez 3 minutes 30, vous n'avez pas écouté la chanson. Mais je la trouvais très pertinente, hein. Non. Ok, aujourd'hui, j'avais le goût de vous lire un article à propos des jeunes, parce que je trouve ça incroyable à lire. Ça date du 13 septembre, si je ne me trompe pas. Ouais, 13 septembre 2021, ça recule un peu, mais c'est parce que vous savez, je suis beaucoup occupé. Hein? Puis le 16, j'avais passé en cours, puis je suis censuré, puis là, ben, fait que là, je rattrape un peu. Fait que ça a été... écrit par Radio-Canada. OK, fait que vous pouvez voir en haut Radio-Canada. Écrit par Frédéric Xavier Duhamel le 13 septembre 2021. Puis là, dans cet article-là, on a deux études qui vont être assez intéressantes que je vais complémentariser éventuellement sous peu. Puis là, pour là, je vais lire l'article. Donc, ça commence comme ça. La pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires prises pour y faire face ont eu des impacts significatifs sur la santé mentale des jeunes. OK, ça commence direct comme ça. Okay.
Moi, je me souviens, là, l'année passée, l'hiver passé, la santé mentale, on entendait les partis d'opposition, hein, Gabriel Nadeau-Dubois, etc., parler du temps de psychologue par rapport aux listes d'attente, par rapport à que juste 70 % des cas urgents et graves étaient traités, mais qu'ils ne pouvaient pas faire de suivi, et je me souviens de tout ça. Mais là, on est des mois plus tard, quasiment un an plus tard. On est toujours en même situation, voire pire. Hein? On manque encore plus d'enseignants, on manque d'infirmières. J'ai même un article tantôt que je vais peut-être vous lire, qu'on explique qu'ils ont envoyé des ambulanciers prêter main forte dans les hôpitaux pour remplacer les infirmiers parce qu'il n'y en a plus. Fait que clairement, on voit que là, on commence à avoir de sérieux problèmes. Puis je rappellerai que quand on attaque la santé mentale des jeunes, ben c'est tous les futurs adultes. Donc, en ce moment, là, peut-être que ça va bien de réprimander des enfants puis d'en faire certains agressifs puis d'autres soumis. Mais quand ces gens-là vont devenir adultes ou adolescents ou de jeunes adultes, ça va être des bombes à retardement puis ils ne seront pas pris en charge. Et là, la société va dire vous êtes des gens agressifs ou vous êtes des gens trop oisifs et passifs puis vous ne contribuez pas à la hauteur de vos moyens. Mais au bout de la ligne, c'est qui va les avoir rendus comme ça, tu sais? Fait qu'on continue. Des experts notent que la rentrée en présentiel et la levée partielle des restrictions pourraient avoir eu un effet bénéfique, mais qu'il faut rester attentif vu l'ampleur des bouleversements des derniers mois. Fait que là, moi, quand que j'entends ce petit bout-là, je suis pas d'accord. Parce qu'on nous dit la levée partielle des restrictions pourrait avoir un effet bénéfique. Quelle levée partielle? Ils ont leur masque à journée longue d'en face, même quand ils font de l'éducation physique. Et je comprends pas où la levée des mesures partielles là-dedans. Là. I'm just asking where the fuck it is. Maybe I'm stupid, I don't know. I'm asking. I presume that I don't know. So I'm just asking. Et où l'allègement partiel? Et ensuite, j'aimerais me demander si c'est pas un allègement d'un fardeau supplémentaire qui est plutôt le contraire, hein? Parce qu'en réalité, ce qu'on a fait, c'est pas un allègement partiel, excusez-moi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté le fardeau de la vaccination pour le parascolaire et le passeport sanitaire. C'est ça qu'on a fait. Donc là où le journaliste nous dit et la levée partielle des restrictions pourra avoir eu un effet bénéfique, j'aimerais vraiment comprendre en quoi que de rajouter un QR code, un passeport vaccinal et de brimer des parascolaires et des activités autres comme les voyages, les classes vertes, etc. des enfants, en continuant de leur garder la distance et le masque en classe où il y a eu une levée partielle, sinon si ce n'est pas un ajout d'une autre condition pour les sports parascolaires. C'est ça, moi, que je comprends, en tout cas. Ça se peut que je me trompe, mais garde, si quelqu'un est capable de me dire où c'est que je me trompe, je serais vraiment content de le savoir pour corriger ma manière d'exprimer la chose. Parce que, hein, c'est... Voilà. Donc, mais il faut rester attentif vu l'ampleur des bouleversements des derniers mois. Donc, justement, la crise de santé mentale est là chez les jeunes. Donc, il faut rester attentif parce que l'hiver s'en vient, la baisse de luminosité s'en vient. Automatiquement, la vie sociale diminue aussi l'hiver pour la majorité d'entre nous. Donc, soyez aux aguets du bouleversement de vos enfants qui n'auront pas de sport ou de hockey avec la Ligue Pee-wee majeure ou autre parce qu'il n'est pas vacciné ou qu'il ne pourra pas prendre l'autobus ou aller au cinéma avec ses chums là, à 14-15 ans, un samedi soir, aller au cinéma, etc. Là. Ne venez pas me dire, en tout cas, surveillez les bouleversements. Ce dont on a été témoin, c'est des jeunes qui ont perdu leur point de repère, leur rythme, leur horaire, leur activité parascolaire, leur groupe de sport, etc., qui ont été extrêmement impactés et démotivés. C'est ça qui est écrit là, dans l'article de Radio-Canada. Là. C'est pas moi qui ai décidé d'écrire ça. OK? Fait que là, je sais pas c'est quoi faut faire pour comprendre que maintenant, là, la majorité des adultes sont vaccinés. On dépasse le pourcentage scientifique d'immunité collective. OK? Je veux dire, on n'a plus aucune raison de faire des mesures à des enfants symptomatiques. Moi, là, je ne suis pas virologue, je ne suis pas épidémiologue, je ne suis pas rien de ça. Mais je peux faire un lien causal par spéculation de syllogisme. Et puis, si je me trompe, ben tant mieux, mais prouvez-moi-le. Les enfants actuellement, là, pourquoi ils sont hospitalisés, ils sont malades, c'est simple. Tout l'été, il était dehors, pas de masque, ou presque, la trois quarts du temps, OK? Là, l'école a recommencé. Ils ont recommencé à mettre un masque. Donc, ça affaiblit leur système immunitaire par l'oxygénisation des organes et autres qui est plus bas, hein, de un. Et de deux,
les enfants sont naturellement à risque et transmettent très souvent les maladies ou des petites grippes et des petits rhumes aux enfants autour. Pourquoi? Ben parce qu'ils construisent leur système immunitaire. Donc, en mettant un masque dans leur visage à longueur de temps, un jeune enfant ne cessera de le bouger, de le toucher, de le déplacer, donc de faire de la contamination croisée. Alors, ce qui veut dire que si un autre enfant, un autre bambin autour à la garderie ou en troisième, quatrième année ou en bas, et même plus haut, hein, parce que même les adolescents, 12, 13 ans, des fois, hein, en contamination croisée, c'est pas long, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un préjudice à tout le monde en créant un fléau de contagion par la contamination croisée. De juste, je replace mon masque à toutes les deux minutes parce que je suis un enfant et je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Fait que de là, qu'est-ce qui arrive en ce moment? On affaiblit les enfants en diminuant leur CO, leur oxygène, qui est littéralement l'énergie du corps. Hein? On la coupe là. Puis ensuite de ça, on leur met un endroit sombre et humide, rempli de contamination croisée dans le visage. Vous attendez à quoi en plein mois d'octobre, décembre, janvier, si c'est pas lui à gastro, l'autre la pogne, c'est sûr, là? Il va toucher le dé, l'autre va toucher le dé, il va toucher son masque. Ils viennent de se mettre le virus de la gastro direct sur le bord de la bouche, dans les yeux ou dans le nez. C'est terminé là, là. Je veux dire, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre. Puis ensuite, de ça, indirectement, là, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de ça aussi, parce que les enfants, ils ont un système immunitaire en développement. Donc, de un, de les vacciner, d'après moi, c'est pas sûr que c'est la meilleure des idées, mais regarde, on s'ostinera pas. Mais de deux, là, de vacciner des gens en santé, ça crée pas des variants, ça, des résistances, puis des super virus. Pis... Fait que, moi, je spécule. Mais si la COVID, déjà là, a tué des gens, OK, avec des comorbidités, puis tout, puis que là, on n'arrête pas de vacciner plein de monde en santé, puis que là, ces gens-là, ben ils sont transmissibles, ils sont asymptomatiques, mais ils transmettent la COVID entre eux, OK? Mais là, indirectement, eux, la version de la COVID qui se transmet, comme ils ont été vaccinés, c'est une version améliorée, c'est une version qui a muté, c'est une version qui est résistante, c'est une version qui est plus forte. Donc, quand elle contamine quelqu'un, ben elle contamine ben plus virulemment. Donc, c'est beaucoup plus pathogène pour cette personne-là. Parce que là, au lieu d'avoir le simple virus type 1 normal qui circule, là, elle croise une personne qui a le type 2, qui a un variant qui est résistant, qui est plus fort parce qu'il a muté dans la personne vaccinée, qui est en santé, qui a ingéré le COVID pour protéger les autres, qui finit par contaminer les autres d'un super variant. Donc, je suis pas épidémiologiste ou autre, mais je suis convaincu que ça fait un paquet de sens, ce que je viens de dire là, parce que quand je regarde comment on parle de super bactéries, de super virus et autres, j'arrête pas de le dire, parce que c'est important de le rappeler, c'est qu'on fait des surtraitements. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Hein, c'est la science. Fait qu'actuellement, quand on fait un surtraitement avec le masque aux enfants, puis une aseptisation de leur milieu, est-ce qu'on les condamne pas indirectement à avoir un système immunitaire extrêmement faible pour le restant de leur vie? Parce que le système immunitaire, lui, on s'entend, il est fort quand il combat tous les jours, que tu touches des choses, que tu n'arrêtes pas, là. Puis quand l'enfant, il tombe aseptisé, je m'excuse avec mon asymptomatique, il tombe aseptisé avec un produit qui fait respirer ses déchets dans un endroit sombre et humide, rempli de contamination croisée. Je veux dire, on n'est pas en train de paradoxalement tout faire pour nuire à cet enfant-là. Je sais pas, mais après ça, tu sais, je me souviens, la psychologue, j'ai déjà fait jouer ses audios en France, qui parle du trouble d'apprentissage, du trouble de mémorisation, du trouble de langage, de la déconnexion sociale à cause du masque, de la difficulté à lire les émotions, de se comprendre avec l'accord. Je veux dire, elle dit tout ça là, en 10-12 minutes là, et plus. Je veux dire, un moment donné, je sais pas c'est quoi il va falloir qu'on fasse pour comprendre que c'est eux la cible. C'est eux la cible, parce que, comme on l'a dit tantôt, ça va faire une génération de soumis, de stockholmés, et une gang de dépolarisés, agressifs, full résistants, qui vont probablement, éventuellement, soit s'enlever la vie, ou finir incarcérés, parce qu'ils ne seront pas capables de subir ça encore davantage. Là. Je veux dire, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, une société pousse certains gens à soumettre, et d'autres à se révolter ou se suicider. Là. Je veux dire, si tu me dis, ah, Jonathan, t'es fou, ben écoute, ferme tes livres d'histoire puis rouvre-les pas. OK? Rouvre-les jamais. Bon.
Fait que, on parlait que justement, les enfants avaient été extrêmement impactés et démotivés. Donc, c'est ce qu'observait le docteur Olivier Djamoul, pédiatre et chef de la section de médecine de l'adolescence au CHU de Sainte-Justine, en entrevue à Tout un matin lundi. Des premières vagues pénibles, une étude menée par des chercheurs torontois avait conclu que de nombreux enfants et adolescents au Canada ont connu une détérioration dans plusieurs domaines de la santé mentale lors de la première vague de la pandémie en 2020. Fait que réaliser là, que moi, je l'avais vu sur CTV News, un enfant sur cinq fait de la dépression et de l'anxiété clinique, puis un enfant sur quatre, ouais, vas-y, ouvre. Un enfant sur quatre fait du stress clinique. Fait que c'est incroyable. Ensuite de ça, dans CTV News, il parlait de 80% des adolescents, ces antidépresseurs, il faut le répéter. Si je dis à un moment donné, il faut comprendre que c'est eux l'avenir, là. Nous, on emprunte la terre à cet avenir-là, qui, eux, vont faire des enfants qui sont l'avenir de tous. Nous, on est déjà le passé au présent. Eux sont l'avenir au présent. Il semble c'est simple. Un plus grand stress dû à l'isolement social est associé à une détérioration dans tous les domaines de la santé mentale, note l'étude publiée en février dans la revue européenne Child and Adolescent Psychiatry. Fait que là, il parle que l'isolement des enfants a détérioré toute leur sphère mentale, toute la gang. Une détérioration dans tous les domaines de la santé mentale, un plus grand stress dû à l'isolement social. Tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui l'invente, là. Puis là, entendez, là, dans un autre live, là, parce que je suis débanni le 8, là, je vais tout lire les rapports avec vous autres. On va aller voir, on va s'amuser, on va lire ça ensemble, puis vous me direz, les gens, man, en quoi je suis un complotiste que vidéo non éduqué, puis que je fais pas juste essayer de vous faire raisonner par un raisonnement pour que vous protégiez vos enfants de ces malades mentales-là. Okay? C'est des malades mentales, puis je mâcherai pas mes mots. Pour faire de telles atrocités avec le pourcentage de gens vaccinés et tout ce qu'on connaît, là, clairement, ça va pas bien là-dedans. Là. Ça a changé d'article tout seul, hein? Je l'ai remarqué pareil. Fuck. Une enquête de l'Université de Sherbrooke révélait en décembre dernier que près d'un jeune adulte sur deux au Québec présentait des symptômes compatibles avec un trouble d'anxiété généralisé ou une dépression majeure. Un phénomène alors en hausse. C'est normal, ça, au Québec? Un jeune adulte sur deux présentait des symptômes compatibles avec un trouble d'anxiété généralisé ou une dépression majeure. Un phénomène en hausse. Un sur deux, c'est pas assez, ça continue d'augmenter. Puis après ça, tu me dis, hey, Jonathan, voyons, tu dis de la merde. C'est une enquête de l'Université de Sherbrooke dans le journal Radio-Canada. Le lien, il est là, mon chum. OK? Moi, je me souviens, là, au début, il y avait Forbes Magazine, man, avec 500 ou 600 physiciens américains qui disaient la même chose à propos des enfants. Ils suppliaient la cour aux États-Unis de ne pas masquer les enfants. Ils les suppliaient, man. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est juste des professionnels médecins pour les enfants. Voyons, ça vaut pas un ministre qui est même pas médecin qui décide. Ben non, écoute, le ministre qui est même pas médecin, là, il est bien meilleur pour décider pour tes enfants que les 600 médecins qui sont là pour et spécialisés pour les enfants. Mais Jonathan, t'es un covidio, complotiste, pas éduqué, galeux. Bon, OK, c'est correct, y'a pas de trop. Une augmentation du décrochage scolaire et des troubles alimentaires avait aussi été observée dans la province et la situation a continué de se détériorer au courant de l'hiver et du printemps dernier, selon le docteur Djamoul. OK? C'est incroyable. Fait que nous autres qui luttent contre le décrochage scolaire, comme des malades mentales, on vient de l'augmenter à côté. Pas grave. C'est pas grave. Nous autres qui parlent de santé puis qui parlent de santé, laisser des gens avec des dépressions majeures ou de l'anxiété généralisée
ou des troubles alimentaires, ça nuit pas à leur santé, ça nuit pas à leur développement, surtout qu'on parlait d'un jeune sur deux au Québec. Fait qu'un jeune sur deux qui a des dépressions majeures, qui a des dépressions majeures, de l'anxiété généralisée, puis des troubles alimentaires, un enfant sur deux au Québec, c'est pas de loin bien plus grave que la COVID, ça. Non. Parce que pour la société, un enfant sur deux qui vit ça, ça compense pas quelques petits vieux de 80 ans, 60 ans, qui meurent ici, puis là, avec des comorbidités en majorité. Fait qu'un enfant sur deux, OK, ça équivaut pas, là, un vieux sur deux. La valeur de la vie n'est pas la même. Un vieux sur deux équivaut au minimum 100 000 enfants. C'est comme 252 médecins par 100 000 habitants au Québec. Fait que c'est 250 petits vieux par 100 000 enfants. Fait qu'on peut faire briser 100 000 enfants par 250 vieux qui meurent. OK? C'est comme ça qu'on calcule en ce moment. Parce qu'un enfant sur deux vit de la dépression majeure, de l'anxiété généralisée, a des troubles alimentaires et fait du décrochage scolaire en lien aux mesures sanitaires. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends en tant que parent. Là. Je sais pourquoi ça monte puis ça descend, ça monte puis ça descend. Il y a bien des parents, ils arrivent, ils font ouf. Ouf, à soir, le Joe, là. Ça me tente pas trop là, de culpabiliser. Fait que on se revoit un autre live là. Mais c'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Au mois de mai et juin, on avait 40% des patients pédiatriques hospitalisés au CHU de Sainte-Justine qui étaient des adolescents en crise. Donc c'était énorme ça. Il y en a un qui trouve ça drôle. Il pense que c'est un fake news. C'est Radio-Canada, crise de sans dessin. C'est pas drôle pantoute. Comment tu peux trouver ça drôle, esti? Comment tu peux trouver ça drôle, esti d'imbécile, man? C'était je drette le genre de gars au Moyen-Âge qui me ferait tilter, man. Puis je sortirais ma sorte, puis je te dirais, on règle ça. C'est terminé là, là. Tu trouves ça drôle? Un article de Radio-Canada qui parle de jeunes. On dit que 40% des gens hospitalisés au CHU de Sainte-Justine, c'était des jeunes en dépression majeure. Puis toi, tu ris, toi. Vraiment, là. Peut bien avoir des masques aux enfants dans cette petite planète-là. Avec du monde comme lui. Fait que ça, je te rappellerai à celui-là qui rit, que c'est Dr. Olivier Djamoul, pédiatre au CHU de Sainte-Justine, qui a dit ça dans l'article de Radio-Canada, publié le 13 septembre 2021 par Frédéric-Xavier Duhamel. OK? Puis il va surtout pas lire les deux liens des études puis les dommages que ça fait aux enfants parce que d'après moi, là, tu vas te mettre la tête bien profond dans le cul à soir, OK? Bon. À l'hôpital de Montréal pour enfants, le docteur Martin Gignac, chef du service de psychiatrie, a aussi observé des signes de détresse grandissant à partir de l'automne 2020. Ben là, on est rendu à l'automne 2021. Just think for a minute. Just think for a fucking minute. Where'd they have a break? Where'd they got the break? Just think for a fucking minute, you dummy. Esti, man. Chris, ça peut bien aller sur la terre avec du monde de même. Il y en a juste un qui rit. C'est pas pire, on est 200 cuques. Fait que... J'espère que tu réalises que t'es à peu près 0,05%. C'est OK. À partir de cette période-là, on a vu une augmentation continue des consultations chez les jeunes, dit-il en entrevue par vidéoconférence. Il a noté une hausse de 35% du nombre de patients qui se présentaient avec des idées suicidaires. C'est-tu drôle, ça, avec? On parle de jeunes enfants. Tu trouves ça bien drôle, j'imagine, hein? Tu dois déjà avoir sacré ton camp, le comique. Après moi, t'es déjà parti. T'es parti aussi vite que tu trouvais ça drôle. Un vrai Tommy Godette. Des sujets de même, la gang à Tommy, ils veulent pas en faire. T'es supposé faire un autre débat avec quelqu'un d'autre. J'ai dit, moi, je veux parler des enfants, c'est important. Non, lui, il voulait parler de Martineau, Steve. Il voulait parler de toutes sortes de calices, de niaiseries par rapport. J'ai, man, c'est les enfants qui pressent, là. C'est les enfants qui vont taper au mois de novembre, pis tout. C'est les enfants qui peuvent plus jouer au hockey. C'est les enfants, man, qui vivent les décisions de leurs parents pis qui perdent leurs amis depuis 2 ans. Non,
Mais il voulait parler de Martineau. Après ça, il voulait parler du dos avec le cancer, là, qui est mort, pas le cancer, qui avait le cancer, qui a peut-être le cancer, qui a peut-être pas le cancer, qui est mort du vaccin, qui est peut-être pas mort du vaccin, qui est mort de... On le saura pas, il y aura pas d'autopsie. Il y aura pas de lien causal. Bon, c'est réglé. Fait que, il est mort de quoi? Il y a pas personne qui va pouvoir le prouver. Crissez-leur la paix, puis sacrez patience à la famille. C'est correct, ça? Le reste, pas de nos calices d'affaires. Sinon, là, arrange-toi qu'il y a une autopsie de faite, puis prouve hors de tout doute raisonnable que ça arrête. Fait que c'est-tu normal que le docteur Jamoul a noté une hausse de 35% du nombre de patients qui se présentaient, avec des idées suicidaires par rapport à une période pré-pandémique similaire? C'est bien écrit, pré-pandémique similaire. Donc, depuis la pandémie, c'est 35% de plus de jeunes avec des idées suicidaires. Je rappellerai qu'il y a 1 085 000 enfants en bas de 11 ans. 35%, c'est 350 000 enfants. C'est le nombre de gens contaminés de la COVID en fucking trois quarts du temps de la COVID et quelques poussières vers la fin. Ce qui veut dire qu'en une année, on a fait écoper plus d'enfants qu'il y a eu de gens contaminés de la fucking COVID. OK? OK? Ça, c'est la réalité. That's the fucking fact with numbers. With reality check, bro. OK? Je me fous là, de ton opinion à la Tommy Tuschki, là. Je suis étonné de voir Mark Jones qui n'est pas encore débarqué d'ailleurs. Moi, j'ai vraiment hâte que des gens aient des vraies discussions dans cette société-là. Je suis vraiment bien écœuré de vivre dans un monde d'hypocrites où on prend les humains pour des gardiens de garder. Oh, viens-t'en là, viens-t'en, ouais, viens-t'en, on s'en va, mon petit gars, ouais. Non, je suis capable de ça. Moi, je suis un adulte, je suis conscient, je suis capable de comprendre, je suis capable de décider. Ça suffit de me prendre pour un gamin, OK? Ça suffit de me parler comme j'étais un esti niaiseux qui n'était pas capable de comprendre ce qu'il lit, qui n'était pas capable de comprendre une présentation ou un exposé ou quelqu'un qui décortique un sujet. Hey, là, calme tes nerfs, là, le malade qui se prend pour une supériorité de la vie, là. OK? Je vous dis, même mon chat, esti, est capable de comprendre avec deux croquettes. OK? Deux croquettes, le chat comprend. Fait si tu penses qu'on n'est pas capable de comprendre, ben allume, là. Donne-nous des croquettes. Bon. Et plus de cas d'intoxication volontaire avec des médicaments. Donc, non seulement il y avait une hausse de suicide, mais il y avait aussi une hausse de tentative par l'intoxication volontaire avec des médicaments. Des signes encourageants, hein, au moins. Le docteur Jamoul dit qu'il n'a jamais autant prescrit d'antidépresseurs. Asti, c'est écrit des signes encourageants. La deuxième phrase, c'est... Il n'y a jamais autant prescrit d'antidépresseurs. Tu sais, genre, comment t'associer à Big Pharma? Des signes encourageants. Le docteur Jamoul a prescrit tellement d'antidépresseurs, c'est encourageant. Ben oui, parce que le rôle d'un antidépresseur, ça t'empêche de te suicider, mais ça fait en sorte que t'acceptes l'inacceptable. Tu sais, ce qui te rendait dépressif à la base et suicidaire, ben là, grâce aux médicaments, tu vas continuer de le vivre jour après jour après jour après jour sans rien y changer. Puis, ben, il n'y a pas de trouble parce que c'est comme ça qu'on règle ça dans la société. Fait que ce qui veut dire que là, si on comprendra ce qui en découle entre les lignes, un jeune sur deux au Québec vit des problèmes d'anxiété généralisée, hein, qu'on l'a montré tantôt. Mais là, ben voilà, ça va bien. Inquiétez-vous pas, ils ont des antidépresseurs, il n'y a pas de problème, on les a pris en charge. Ben oui, Big Pharma était là, comme avec la COVID, puis l'agenda de vaccination, comme Trudeau parlait, là, pour 3-4 ans d'approvisionnement avec Pfizer et autres. Fait que, écoute, il n'y a pas de stress. Laisse ton enfant venir en dépression, laisse-le avoir de l'anxiété généralisée, continue d'aller travailler, pose pas de questions à personne. Ça va passer. Mets tes pilules sous l'assurance médicaments, l'assurance maladie ou autre, ou ton assurance de job. Puis, écoute, t'as pas le temps. T'as pas le temps? On comprend ça. Fait que, une petite pilule, hein, une petite granule, y a rien de mieux, mon vieux. Quand tu te sens malade. Bon, voilà. Ils s'attendaient pas à ça. Okay, ouais.
Il voit maintenant des signes d'amélioration sur le terrain. Des signes qui sont probablement directement en lien avec la levée des mesures sanitaires et la rentrée scolaire. Quelle levée des mesures sanitaires, Monsieur Jamoul? Attends, là. Quelle levée des mesures sanitaires dans les écoles, Monsieur Jamoul? Ils ont encore leur fucking masque à longueur de journée, même quand ils font de la style d'éducation physique. Je comprends pas. Quelle levée qu'il y a eu? Laquelle? Là, s'ils sont pas vaccinés, ils peuvent même plus faire d'activité parascolaire. Quelle levée qu'il y a eu? Quelle? Laquelle? Dites-moi les, s'il vous plaît. Un des trolls qu'il y a dans les 240, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas. Ils n'ont moins un, là. Non, c'est sûr. Ils n'ont moins un, là. Hey, écoute, dis-moi quelle mesure sanitaire a été levée dans les écoles, là. Parce que là, je veux bien écouter Jamoul, là. Parce que ça le dit dans son nom, Jamoul, hein. C'est, regarde, il y a un moule en esti du monde, là. Mais, voyons donc. Quelle levée des mesures sanitaires dans. Laquelle? Il y a personne qui a écrit, hein? Vous êtes des parents, des enfants. Quelle mesure a été levée? Chut, tu cries, je m'excuse, je suis fou. Docteur Jamoul, là. Puis le journaliste, lui, il check pas. Il a pas appelé dans les écoles, il dit « Hey, donnez-moi un exemple de mesure levée, s'il vous plaît, que je l'écrive, là, pour montrer aux gens qui ont vraiment levé des mesures, genre, je sais pas, moi, 32 dans le cafétéria au lieu de 18. Tu sais, n'importe quoi, là, plus de sens dans les corridors, plus de lavage de main, plus de line-up pour les toilettes, je sais pas, quelque chose, donnez-nous quelque chose, vous avez levé quelle mesure? » Après moi, tu mens, Nasty. C'est mon opinion. Hein. Actuellement, depuis le mois d'août et surtout depuis la rentrée scolaire, on tombe à quelques patients adolescents hospitalisés dans des situations équivalentes à ce qu'on voyait au printemps. Ça, c'est probablement un effet encourageant. Encore une petite propagande, gars, ça. Ils viennent juste de nous dire, drette là, qu'il y a des élèves qui rentrent à l'hôpital comme l'automne passé. Puis tout de suite en dessous, drette là, elle nous dit « C'est probablement un effet encourageant. » Ça fait deux fois, c'ti. Ici, il nous parlait quand des signes encourageants, puis tout de suite en dessous, regarde, des signes encourageants en noir-gras. Puis, dans les deux premières phrases, anti-prescrit des antidépresseurs. Puis là, il nous parle de levée de mesure deux fois qu'il n'y a pas lieu à date. Puis il cite, il nous dit des jeunes à l'hôpital. Oh, faut pas que je descende trop vite. Il cite. Puis après ça, en dessous, c'est écrit, ça a probablement un effet encourageant. Tu sais comment pour indirectement, tu lis l'article, l'information rentre. Là, tu comprends, genre, c'est subliminal. Ils te mettent de quoi de l'eau, puis après ça, ah, c'est encourageant, puis là, ils disent d'autres choses. Mais là, subliminalement, tu viens de comme oublier à quel point c'était grave. Parce que c'est encourageant. Eh, non, oui, c'est un secret de psychologie, man, inversé, dis-le pas. Donc, mais on ne peut pas penser que tout est réglé avec la rentrée scolaire, nuance la docteure Connie Scucci Marie, psychologue pédiatrique à l'hôpital de Montréal pour enfants et administratrice de la coalition des psychologues du réseau public québécois. Tab, tu veux-tu quatre autres paragraphes de titre? Si, ouais. En entrevue téléphonique, la docteur Scucci Marie explique que les données manquent actuellement pour évaluer l'impact de la rentrée 2021 et de la levée récente de certaines mesures sanitaires. Bon, elle avait. Mais quelle mesure sanitaire qui a été levée, Madame Scucci Mary? Could you explain to me? Mais il ne faut pas oublier que ce sont des problèmes psychologiques significatifs, rappelle-t-elle. On sait qu'il y a eu tellement de difficultés dans les 18 derniers mois au niveau psychologique et de l'apprentissage à l'école. Ce ne sont pas des choses qui se guérissent vite. Bon, deux semaines de COVID, 10 ans de cheminement de psychomoteur, de vie sociale, de motivation scolaire, de taux d'échec et de réussite.
Je suis vraiment fier de voir à quel point ce que le gouvernement nous montre que les vieux, là, c'est plus important que les enfants. Les adultes, même moi à mon âge, ils essaient de me faire croire que j'ai plus de valeur que les enfants. Tu sais, gelé sur le crack. Faut vraiment que c'est gelé sur le crack, genre, pour penser ça. Parce que nous autres, on est déjà le passé, on est déjà avancé dans l'âge. L'enfant, il représente une vie complète. Il représente l'avenir, puis lui, il peut encore faire des enfants. Moi aussi, je peux encore en faire, là, mais je veux dire, à partir de 50-60 ans, là, rares sont ceux qui font les enfants, là. En quoi qu'on est plus important que la vie sociale, psychologique, et l'éducation et le développement et l'épanouissement de nos enfants? Je serai jamais capable de comprendre ça. Puis à chaque fois que je vais ramener ça à ce sujet-là, les politiciens, les Tommy Godette, puis les Monstouki de partout que je croise dans la vie, ils vont s'en aller puis ils vont regarder à terre. C'est comme ça la vie. Comme quand tu leur parles de droit puis tu leur montres que t'as raison, ils se mettent à regarder à terre. Ils veulent plus en parler, ils veulent pas en parler, ils veulent pas en parler, ils veulent pas le lire, ils veulent pas le lire, ils veulent pas en parler. Après ça, tu me parles de responsabilité, tu me parles de maturité, tu me parles de faire ce que j'ai à faire. Seigneur, que t'es pas cohérent dans ton esti de discours, mon chum. T'es pas cohérent de bord, là. Tu me dis, voyons. Je veux dire, fais quelque chose, là. Dépêche-toi, ça urge. Tu sais, je veux dire, quand on regarde le rythme là, d'exploitation là, de ce qui s'en vient, hein, on a pas 8 générations sous nos yeux à niaiser, là. Tu penses que t'as combien de générations, t'as combien d'années pour te reprendre avec tes enfants ou tes parents ou toi-même? Tu penses que si tu commences pas aujourd'hui, tu penses que tu vas pouvoir commencer dans 10 ans? OK, mais c'est un accident demain. Si tu tombes malade demain, whatever, man, dans 3 ans, tu pognes le cancer, esti. Tu vas faire ça quand, ta job? Tu vas en faire quand? Quand tu vas avoir 82 ans à ta retraite en train de crever? C'est là que tu vas commencer à penser à qu'est-ce que tu aurais dû faire en tant qu'humain quand t'as plus l'énergie, t'as plus rien. T'es rendu juste capable de faire ton petit train quotidien pis c'est déjà too much pour ben du monde à 80 quelque ans. C'est quand les gens ils vont prendre leur énergie, leur présent puis dire bon ben c'est là que ça se passe, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas à soir, c'est là. C'est tout de suite là, là. Dans la seconde qui est là, là. C'est quand? Je me la demande vraiment sérieusement. Ça fait 34 ans que je me pose la question. Quand est-ce que les adultes vont avoir des vraies discussions d'adultes et vont offrir des vraies solutions tangibles et potables et durables pour toute la Terre dans sa globalité, là? Pas juste les affaires ou satisfaire l'ego ou le confort ou l'humanité. Non, non, non. Quand est-ce qu'on va s'asseoir tout le monde ensemble et qu'on va dire voilà comment est-ce que l'écosystème planétaire fonctionne, voilà ce qu'il nous donne, voilà ce que nous devons faire pour l'aider à en donner davantage, et voilà comment est-ce qu'on va le répartir à tout le monde en s'assurant que tous entretiennent leur environnement pour le rendre prospère et durable. Non, c'est pas ça qu'on fait. C'est pas ça qu'on fait. On dit, toi, t'as de l'huile chez vous, tu veux pas m'adonner? J'envoie mes drones, t'as collé des bombes dans la tête. C'est pas mon problème. Bon, puis là, il y a des conventions de pas utiliser des armes, mais c'est pas vraiment des armes, là. Tu sais, c'est des balles d'uranium appauvries comme l'armée américaine utilise, puis la coalition utilise en Irak, puis en Afghanistan, puis au Yémen. C'est quoi ça fait, Jonathan, les balles d'uranium appauvries? Ben, c'est pas grave, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste déformer les fœtus, puis créer de la radiation, puis des mutations aux organismes vivants et aux humains pour des milliers d'années autour d'eux. Mais c'est pas grave, Jonathan, que toutes les prochaines générations, pour plusieurs milliers d'années, subissent des difformités grâce aux anomalies de radiation, des balles d'uranium appauvries, parce que je savais même pas de quoi tu me parles, Joe. D'après moi, t'es un complotiste, conspirationniste, esti, pis tu vois des Bill Gates partout quand tu dors. Hein, Joe? On t'a rendu... Rappelle-t-elle, on sait qu'il y a eu tellement de difficultés dans les 18 derniers mois au niveau psychologique et de l'apprentissage à l'école. Ce ne sont pas des choses qui se guérissent vite. C'est ça. C'est là qu'on avait fini. Bon. Améliorer l'accès aux soins. OK, ce qu'on dit depuis 30 ans à peu près. OK, excuse. Ouais, je suis tout le temps en psychose, Marc Jones. Tout le temps.
C'est tout le temps, c'est Radio-Canada. Écoute, OK, c'est dans section santé. Ça fait trois fois que je nomme le lien de l'article. Tu réécouteras parce que t'es un touquet. OK. Une situation d'autant plus complexe que l'accès à des soins de santé mentale demeure difficile. Ben oui, parce que la santé mentale, c'est tellement pas important pour les enfants, les adolescents, les parents. Puis comme Mark Jones me dit moi-même à l'instant, pas moyen d'avoir le traitement. Ben non, les listes d'attente débordent. Regarde, Mark Jones, c'est ça la société. On est tellement performant, puis le système d'éducation fonctionne tellement bien que le système n'arrive pas à gérer le nombre de gens en dépression, en anxiété, en idées suicidaires ou en psychose. Donc clairement, Mark Jones, ton gouvernement, l'éducation et les corporations font un très bon travail d'éducation parce que j'ai jamais vu autant de gens être en dépression, comme on le disait, en anxiété, en idées suicidaires, mais ne pas avoir accès à des spécialistes ou des soins, sauf s'ils vont dans le privé puis qu'ils sont riches. Ouais. Je m'excuse, Mark Jones, de ne pas faire partie de ta société. J'en ferai jamais partie. Parce que vous m'écœurez au plus haut point de mon sens moral. Vous êtes tout ce que je renie de cette terre, man. Vous êtes tout ce que je renie de l'humain. Vous êtes des Mark Jones. Jamais je vais participer à ta société, Mark Jones. Jamais, man. Tu m'entends? Bon. Fait que Radio-Canada rapportait l'an dernier qu'il fallait compter entre 6 et 24 mois d'attente. Donc, entre 6 mois et 2 ans. Pour obtenir des services psychologiques dans le réseau public québécois. Puis, qu'est-ce qui arrive? Souvent, les gens, ils demandent un service. Mais quand ils se font rappeler un an et demi après, ils n'ont plus besoin, ou ils n'en veulent plus, ou ils ne sont plus là, ou ils sont... Voilà. Ben oui, parce que quand tu as besoin d'aide, là, pas dans 4 ans, là, j'ai besoin d'aide à soir, là, puis que tu m'envoies un psychologue qui me rappelle dans 6 mois qui est le délai le plus court, ça n'a plus rapport. Ça n'a plus rapport. Puis dans 2 ans, voyons, c'ti, ça dit tout être humain a droit à l'aide et le secours dont il a besoin lorsque sa vie est en péril. La vie de quelqu'un qui est en crise est en péril? Comment ça qu'il n'a pas accès à un soin puis un soutien, puis de l'aide, puis de l'entraide, puis du partage, Mark Jones? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Même les enfants dans les écoles, même les enfants dans les écoles, Mark Jones, ils n'ont pas de soins, de soutien et autres. Ils manquent de personnel, ils manquent d'enseignants, ils manquent de psychiatres, ils manquent de psychologues, ils manquent de soutien scolaire, ils manquent de tout. Normal ça, Mark Jones? Tu parles plus, je te vois plus commenter. On va continuer à aller. Il répond un touquet. Le docteur Scooty Mary n'a pas de données plus récentes, mais c'est sûr que c'est long et c'est très inquiétant, déplore-t-elle. On a besoin d'améliorer l'accès et de freiner l'exode des psychologues du réseau public vers le privé. Ah ben, gardons ça, Mark Jones. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? C'est-tu normal qu'on ait créé une société à deux vitesses il y a à peine dizaines d'années, vingtaine d'années maximum, là, je sais pas la date exacte. Puis là, c'est drôle, hein, parce qu'on a créé une société à deux vitesses, donc une médecine privée pour accélérer le réseau public et l'aider. Bon, on l'a vidé. Il n'y a plus de service dedans. On l'a tellement aidé qu'il n'y a plus de service dedans. Ils sont tous rendus au privé. Tu trouves-tu ça normal, toi, le touki de Mark Jones? Il répond, c'est pas, laisse-le faire. T'as-tu vu? Parce qu'il est pas capable de parler avec moi. Fait qu'il t'attaque, toi. Tu comprends? Parce que c'est un fucking loser, ce gars-là. Fait que, t'es-tu capable de m'expliquer, Mark Jones, pourquoi qu'on a créé un système privé dans un système de mode public qui allait quand même relativement très bien par rapport à tous les autres pays dans le monde? Comment ça se fait qu'on a privatisé et envoyé des médecins, des infirmières et des préposés qui fait qu'en ce moment, on a une pénurie parce que, comme c'est écrit ici, ils s'en vont tous dans le privé. Puis ça, c'est qui nous dit ça? Le docteur Scooty Mary. Ben oui. Puis là, on se souviendra de son titre de 3 paragraphes tantôt. OK? On a besoin d'améliorer l'accès et de freiner l'exode des psychologues du réseau public vers le privé. C'est ça qu'a dit Mark Jones. Je te le répète juste pour toi. On sait que ce sont les jeunes vulnérables qui en paient le prix. Tu trouves ça correct, toi, hein, que les jeunes payent le prix pour toi, hein, Mark Jones? Les gens comme toi, vous trouvez ça correct? Hein, tu trouves ça drôle? C'est sûr que c'est toi qui as fait le rire.
Je suis même pas surpris. Fait que depuis tantôt, tu sais quoi le sujet en soi, Mark Jones? Sais-tu de quoi qu'on parle ici, Mark Jones? De tout ce que tu veux pas entendre, puis de tout ce que tu vas refuser d'entendre, puis de tout ce que tu vas nier par dissonance cognitive d'entendre. Fait que c'est vraiment se demander qu'est-ce que tu niaises ici. Ouais. Ah oui, c'est vrai, t'es tellement important. T'as rien d'autre à faire. Dr. Cooney Scooty Mary, psychologue pédiatrique à l'hôpital de Montréal pour enfants. Fait que tu ris de son opinion, Mark Jones? Tu ris de ce qui est écrit dans Radio-Canada, Mark Jones? Tu ris des dégâts psychologiques aux enfants? Tu ris de ça? OK, correct. T'as le droit. Je te respecte, man. Québec a annoncé 25 millions de dollars de plus pour l'amélioration des services d'aide en santé mentale pour les jeunes en octobre dernier. Sais-tu qu'est-ce qui arrive quand tu mets des millions de dollars dans un système qui n'a pas de personnel? Ils mettent en bureau, puis en ordinateur, puis en mur, puis en peinture. Fait que quand même que tu mettrais 124 millions de dollars dans le système de soins de santé, ça va changer quoi? Ça changera rien si t'as pas engagé du personnel. Moi, je veux pas que t'annonces que t'as envoyé 25 millions. Je veux que t'annonces que t'as formé 2000 nouveaux psychologues, pédiatres, médecins, spécialistes. C'est ça que je veux que t'annonces. Moi, je veux que tu me dises, OK, un médecin spécialiste, ça coûte 400 à 500 000 par année. On a 25 millions d'injectés, donc on a 50 nouveaux spécialistes à temps plein. C'est ça que je veux que tu me dises. Pas tu me dis, je t'ai mis 25 millions, puis de l'autre bord, asti, tu changes les toilettes, puis le tuyau d'eau, là. Chris, tu me prends-tu pour un imbécile? D'après moi, tu me prends pour un asti d'imbécile. Parce que la question, c'est pas combien d'argent t'as mis, c'est où tu l'as mis, l'argent, puis est allé à qui, puis comment, puis pourquoi, puis quel motif. Ah, ça, vous nous l'expliquez pas trop souvent. Ça, vous en parlez pas trop souvent. Fait que moi, j'ai hâte de voir la stratégie des gouvernements changer. On n'a pas injecté des millions de dollars. On a créé des emplois, on a engagé des agronomes, on a engagé des enquêteurs, on a engagé des psychologues, on a engagé des infirmières, on a engagé des enseignants. On a investi de l'argent parce qu'on a créé tant de kilomètres de route. On a investi de l'argent parce qu'on a changé 347 kilomètres de tuyaux d'aqueduc. On a investi de l'argent parce qu'il y avait tant en salaire, tant en ci, tant en ça. Alors, Jonathan, calme-toi, là. T'es pas chez Walmart, t'auras pas de facture détaillée de ton gouvernement, de ton argent, là. Prends ta pelule. Hein, Mark Jones? Hein, Mark Jones? C'est presque pas normal en 2021 que la facilité du numérique et de l'accès à l'information, qu'on ne soit pas en mesure de voir où l'argent va encore aujourd'hui, puis qu'on ait des annonces bidons, puis des contrats tacites sans appel d'offres, puis des méchants munchkins en arrière de la tête, là. Hein? Si tu veux. Il était là, man. Tu l'avais dit. Anyway. Il est difficile d'en mesurer l'impact jusqu'à présent, dit la docteur Scooty Mary, mais nous pensons qu'il faut avoir beaucoup plus que ça. Ben oui, parce que c'est pas de 25 millions de dollars pour peinturer que tu as de besoin. C'est des employés, des gens dévoués, déterminés, aguerris, avertis, qui peuvent te prêter main forte, asti. Le reste, là... Quand même, tu me dirais, j'ai investi 82 milliards. Ouais, mais dans le fond, t'as construit 64 entrepôts. OK? Bon, fait que je m'en calisse, là, de ton histoire d'argent. Elle avait que c'est pas mal ça qu'elle dit. Elle dit quoi? Elle dit, il est difficile d'en mesurer l'impact jusqu'à présent. Elle a rien vu du 25 millions, elle-là, là. Elle te le dit comme, ben, c'est difficile d'en mesurer l'impact. Elle a reçu 25 millions. Elle s'en est pas rendu compte sur le terrain. Ben voilà, 25 millions. Des fauteuils à direction, des bureaux, asti, des imprimantes, des tours d'ordinateur, des écrans d'ordinateur. Écoute, moi, je vois des fonctionnaires, là, ça a des setups de 2-3 asti d'écran, pis tout. Hey, la malade, pourquoi t'as autant d'écran, là? C'est quoi tu fais avec ça? C'est quoi tu fais avec ça? Asti, au pire, achetez-je un écran de 40 pouces au lieu de 3 écrans, je sais pas, là. Tu sais, en tout cas, on va rester focus. D'autant plus que l'accès au psychologue peut être rentable en prévenant des visites à l'urgence. Ben oui, mais fait qu'imagine justement, comme on le disait tantôt, quand t'as du stress, des idées suicidaires et tout qu'est-ce qu'on énumère, clairement, tu vas être un client de l'hôpital, là.
C'est sûr que tu vas y aller soit parce que tu te rends malade, soit parce que tu deviens en psychose, comme Mark Jones aime dire, ou soit parce que tu vas développer toutes sortes de petites problématiques dues à ton stress, ton anxiété, tes idées suicidaires, le fait que tu manges pas bien, tu as des troubles alimentaires, etc. On le sait ce que ça fait, là, tu maigris à perte de vue, esti, et tu viens faible. Toute ta famille le voit juste en te regardant et dit « Voyons Joe, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, y'a rien, oh, je suis fatigué, mais non man, tu le sais très bien que t'es en train de te laisser mourir, là. » Tout le monde le voit, puis le monde dit « Ah, comment tu vas? Ah, je vais bien. Ah, c'est correct, il va bien. » Tu le vois qu'il est en train de crever le gars, là, tu sais, mais c'est pas grave, parce que tu lui as demandé, il t'a dit qu'il allait bien. Pas mon problème, hein. On n'a pas de trouble, si passe. Tu veux-tu un petit sandwich? Quand, prends une gorgée. Prends une gorgée, quand. Hein? Hein? Plus de problème, tu veux? Un peu ici. On a beaucoup de jeunes qui se présentent en urgence à l'hôpital dans un état plus détérioré que ils avaient été pris en charge plus tôt. On parle encore de jeunes, Mark Jones. Je trouve ça normal que des jeunes aient des idées suicidaires. On parlait d'une augmentation de 35% par rapport à la pré-COVID. Je trouve ça normal qu'il y ait 35% plus de jeunes suicidaires. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça drôle, Mark Jones, hein, qu'on disait tantôt un jeune sur deux au Québec? Je trouve ça drôle, hein? Fait que tu trouves-tu ça drôle qu'ils soient pas pris en charge? Fait qu'ils ont des conséquences pires? Ce qui veut dire que comme ils seront pas pris en charge d'ici 6 mois à 2 ans, ils seront probablement jamais pris en charge, ce qui fait que les dégâts risquent d'être permanents. Qu'est-ce que t'en penses, Mark Jones? À moins d'avoir une famille fortunée ou des amis fortunés ou des gens vraiment préoccupés qui investissent pour payer au privé, ces enfants-là qui sont martyrisés, qui sont stockholmés en ce moment, ils vont être sauvés par qui? Qui va les guérir de ça? Puis après 21 jours, un traumatisme ou un séquel ou une mauvaise discussion ou autre s'imprègne dans le subconscient d'un humain s'il ne l'a pas réglé. Donc comment est-ce qu'on peut régler un problème si ça prend 6 mois, 2 ans avant d'avoir même accès à l'idée de commencer de le traiter? C'est normal ça, Mark Jones? On a dépensé des milliards en vaccins. On a dépensé des milliards en masques, en Purell, en respirateurs, en tout ce que tu veux. Pour à peu près 11 000 cubes morts, 300 cubes 1000 infectés. Je te rappellerai que jusqu'à 11 ans, on parle même pas jusqu'à 18 ans, là, parce que là, on va taper dans 2 millions d'enfants. Jusqu'à 11 ans, il y a 1 085 000 enfants, puis jusqu'à 18 ans, faudrait que je le calcule, puis te colle le chiffre d'en face, man. Au Québec. Puis tu trouves ça cool, tu trouves ça drôle. Sérieux, j'ai vraiment honte de toi, man. Je vais te le répéter, jamais je vais faire partie de ta société, mon gars. Il n'est pas question que je participe à ton esti de société de malade. Jamais, man. J'en ai rien à foutre. Vous pouvez me traiter de névrosé, vous pourrez être les 9 milliards d'humains à rire de moi, je pourrais être le dernier, man, devant vous autres à m'ostiner, je m'en calisse. Je n'en ai rien à foutre. Jamais je vais participer à votre immoralité, man. Jamais. Puis jamais que je vais vous laisser justifier vos folies, man. Jamais, man. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses de moi. J'en ai rien à foutre, man. Imagine-moi ce que je pense de toi à laisser faire ça aux enfants. C'est pas mal plus ça qui devrait te préoccuper, mon homme. C'est pas mal plus ça qui devrait te préoccuper. Les trois spécialistes s'entendent pour dire qu'il faut éviter à tout prix un retour au confinement généralisé à l'éducation à distance uniquement. OK? Combien d'écoles ont fermé déjà depuis l'ouverture? Combien de classes, combien d'enfants sont déjà isolés? Mark Jones, trouves-tu ça drôle? Tu dois trouver ça drôle, hein, mon asti? On va prendre, je m'excuse, mais regarde, il faut que je prenne une petite boucane. Parce que il faut que j'évacue les gens à Mark Jones. Je l'imagine, gars. J'ai drette comme je l'imagine. Je vois un sourire qui part, man. T'as cette crise de Mark Jones, là. Profite-en, man, sur le mur Anthony, parce que sur le mien, je t'ai bloqué. Je t'ai carré de toi. T'es le seul troll que j'ai bloqué. T'es le seul que j'ai bloqué, man. Juste pour te donner une petite leçon, là, que tu broyes deux, trois mots aux autres trolls qui viennent me dire en privé. Joe, débloque-moi. Débloque Mark Jones. Débloque Mark Jones.
gang de fuckers. Bon, il pointe vers l'importance de la vaccination de la population admissible afin de maintenir la vie des jeunes la plus normale possible. Ben, les adultes de 12 ans et plus sont 87% à deux doses. Ils sont majoritairement vaccinés. Calissez-nous patience. Calissez patience aux jeunes. J'ai-tu besoin de te leur lire? Il pointe vers l'importance de la vaccination de la population admissible afin de maintenir la vie des jeunes la plus normale possible. Ben, dis-moi que la majorité, là, c'est en haut de 50%. La majorité, démocratiquement, c'est 51%. Ça, c'est la majorité. On est à 87%, 86% de double dose à 12 ans et plus. Calisse-moi patient. Les gens vulnérables sont en train d'en recevoir une troisième dose. Ils sont vaccinés aussi. Calissez-nous patients. Et s'ils attendent eux-mêmes plus de données sur l'évolution de la situation cet automne, ils invitent les parents, professeurs et autres intervenants à poser des questions et à rester vigilants. Il faut vraiment être à l'écoute des jeunes, conclut la docteure Scooty Mary. À l'écoute des jeunes. Tu sais, comme le kid là, que j'ai montré plusieurs fois qui voulait pas mettre son masque parce qu'il jugeait que c'était pas bon pour lui. Ben, il faut être à l'écoute des jeunes. Parce que les jeunes, ils nous rappellent la vérité. Quand le jeune, il veut pas faire quelque chose puis que tu le forces, tu le violes. Puis t'habitues l'enfant à se faire violer. C'est ça que tu fais. C'est ça que tu fais. Tu réalises-tu? Est-ce que vous réalisez ça? Puis je vais leur dire encore une fois. Êtes-vous capable de me certifier en tant que parent que vos enfants n'ont jamais été intimidés, menacés, bousculés ou opprimés à cause du masque et du port du masque? Inquiète-toi pas. Okay, dites-moi, man, hors de tout doute raisonnable que ce n'est jamais arrivé à la garderie, à l'école ou n'importe où avec des adultes, voire même vous-même. Dites-moi que ça vous est jamais arrivé d'intimider, de troubler ou voire même de menacer votre enfant d'être à genoux dans le coin ou de ne pas avoir de jeux vidéo ou de sortie amicale s'il ne respectait pas les mesures. Combien d'entre vous, en tant que professeur ou autre dans des écoles, ont réprimandé ou perdu patience après des élèves parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient avoir un masque puisque eux, de l'intérieur d'eux, ils sentent le besoin de l'enlever naturellement, comme tout humain qui n'est pas malade. Des pays asiatiques, ils mettent le masque quand ils sont malades. Ils mettent pas le masque parce qu'ils sont pas malades, là. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide en cas de besoin. Des lignes d'écoute téléphonique existent. C'est pas des lignes téléphoniques qu'on a besoin. C'est des gens dans les écoles, c'est des gens dans les familles, c'est des gens sur le terrain, c'est du soutien émotionnel, c'est du soutien social, puis c'est du soutien scolaire qu'on a besoin. Pas des lignes téléphoniques. Une ligne téléphonique, là, ça sert à rien. Quelqu'un qui file pas, qui m'appelle à soir, il va mieux filer 10 minutes, demain son problème recommence. Ça y prend une solution, ça y prend de l'aide, ça y prend un coup de main, ça y prend un soutien, man. Ça sert à quoi une ligne téléphonique entre toi et moi si c'est pas justement te montrer à quel point qu'ils s'en calissent de toi? Ils s'en calissent de toi. Appelle à la ligne, là, tu vas pogner n'importe quel intervenant, tout dépendant de l'heure de la journée, t'appelles. T'auras pas de suivi, t'auras fuck all, mon chum. On va te mettre sur des listes d'attente de mois et de mois, puis on va juste t'écouter nous hurler ou pleurer, puis on va raccrocher quand on va être sûr que tu files mieux. Sinon, on va t'envoyer à Pinel 30 jours pour pas que tu te suicides. Wow! Wow! C'est de ça qu'un être humain a besoin, ou c'est d'amour, hein, d'avoir un rôle, puis de se sentir soutenu puis apprécié. Des lignes téléphoniques. Ça, c'est des réactions à la Mark Jones, man. Tu sais quoi qui s'affronte? Je vais le répéter, c'est quoi qui s'affronte en 2021? La domination du côté reptilien de l'esprit humain. OK? Donc, toutes ces pulsions de domination, de contrôle sexuel, de dépravation et autres, de confort, de facilité, de sécurité, ça, c'est le côté reptilien du cerveau. Fait que là, dis pas je parle de reptile, je vais le répéter. Le côté reptilien du cerveau et de son fonctionnement. Tu crées pas que ça existe? Université McGill, cerveau reptilien humain.
tu me diras de quoi t'en penses. Fait que c'est ça qui s'affronte. Puis l'autre qui s'affronte, c'est le côté analytique, logique, moral, spirituel, connecté de l'humain, du grand tout. Ouais. Qui, lui, il vit selon les principes que toute créature est sacrée comme lui, que tout est égal, tous ont droit à la vie, tous ont droit à whatever. OK? Fait qu'il y a ces deux paradoxes-là. Les dominants trous de cul dépravés, confortables, sécuritaires, puis les libertins qui veulent juste que tout ait le même niveau, la même équité, la même chance, la même liberté d'individualité, du bon vivre ensemble, que ça soit entre humains ou entre créatures de ce monde. OK? Fait c'est ça qui s'affronte en ce moment. La résistance de la Terre qui nous crie dans nos cœurs d'allumer, puis la résistance des astis d'intelligence artificielle nommés profit, argent, je suis un Winstooky. OK? C'est ça qui s'affronte. Fait qu'on a des beaux principes d'éternité versus des beaux principes. Ça va finir sec. D'après moi, il y en a qui disent les dinosaures sont disparus. Ben, check bien, les prochains, c'est les humains. OK? Ouais. Fait que moi, c'était... Puis là, dans cet article-là, je le garde parce que j'ai deux rapports. Hein. Tantôt, on parlait qu'on avait le rapport de l'Université de Sherbrooke puis du European... European Child and Adolescent Psychiatry. Fait que moi, là, les deux liens qu'il y a là-dedans, tu peux être sûr que sous peu, je te lis ça, je te décortique ça, puis j'envoie ça d'en face à Mark Jones. Là. C'est sûr. Là. C'est sûr, sûr, sûr. Là, ici, j'avais un médecin comtesse en cours, le plan de répartition des effectifs, puis il poursuit Dibé. Ouais. Un médecin de Montréal a décidé de prendre les grands moyens pour que le gouvernement modifie la répartition des médecins de famille sur le territoire. Les tribunaux, cette semaine, son avocat a mis en demeure le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour qu'il suspende l'application des plans régionaux d'effectifs médicaux. Parce qu'il dit que les lacunes vont entraîner, excusez-moi, d'importantes, les prêmes ont des lacunes importantes qui entraînent des conséquences graves, plaide le docteur Mark Rupert dans la mise en demeure, dont le devoir a obtenu copie. Fait que merci. Moi, je vais lire l'article un autre tantôt. Là. Moi, ce que je voulais surtout plaider, là, quand je vous dis qu'on peut les poursuivre aux civils, voilà. Et voilà. Et voilà. Comment il a fait, lui, le médecin? Il l'a poursuivi, Dibé. Ben oui. Il l'a poursuivi, il l'a mis en demeure. Ben oui. Les tribunaux, cette semaine, son avocat a mis en demeure le ministre de la Santé, Christian Dubé. Ben oui. Le 2 octobre 2021, journal Le Devoir. OK. Tu vas me dire, Jonathan, voyons, pas vrai, OK, c'est dans le paragraphe juste ça. Hein, le ministre de la Santé, Christian Dubé, t'écris là. T'écris juste là, là. Son avocat, tu vois, a mis en demeure le ministre de la Santé, Touki Dubé. Je pensais qu'on pouvait pas faire ça, Jonathan. Je pensais que t'étais un complotiste, un idiot non éduqué, puis tu disais vraiment de la crise de merde à la population. Là, tu comprends pourquoi je demande Easter à tous les autres professionnels, parce que tous les autres professionnels, en tant qu'experts, ont les compétences de légiférer pour poursuivre un gouvernement ou autre, parce qu'ils sont les seuls représentants de leur ordre et sont les seuls membres à pouvoir l'appliquer, le faire valoir. Et ils sont, à l'article 23, mandatés à la protection du public. Ce qui veut dire que techniquement, ils n'ont pas de compte à rendre au gouvernement, mais au public. Ils n'ont pas à écouter le gouvernement qui n'est pas dans leur ordre professionnel et n'est pas membre de leur ordre. Ça, on appelle ça un charlatan dans leur déontologie et dans leur ordre. C'est correct. Y'a pas de trouble, Mark Jones. Tu veux-tu un grilled cheese? Tu peux te mettre du bacon dedans si tu veux. Toujours meilleur. Ah ouais, un petit jus de fruits.
Écoute, y'a pas de stress, man. C'est de même qu'on aime ça, nous autres. Nous autres, là, Mark Jones, là, on l'aime. Mais sa société, il peut se la garder, OK? Bon, on va aller... Écoute, j'avais une coupe d'audio, là, j'en ai tellement, ça fait tellement longtemps, là, je sais même plus par où commencer, mais bon. On va y aller en commençant par où? Tiens, on va mettre la petite vidéo ici d'une minute de notre Justin Trudeau en anglais qui va nous apprendre qu'on va recevoir des doses et qu'on va être vacciné jusqu'en 2024. Écoutez bien ça. Oh, gars, c'est dégueulasse. It's also important to plan ahead for the future. We've reached an agreement with Pfizer for 35 million booster doses for next year, 30 million in the year after. This deal and 30 million in the year after. Doses in both 2022 and 2023, and an option for 60 million doses in 2024. Hey, 60 million doses in 2024. Canada in this fight against COVID-19. We're happy to be one of the first countries to secure an agreement with them going forward. Yeah. These boosters will be the latest version of the Pfizer the vaccine based version. On research and testing. And they will help us keep the virus under control. And the work doesn't end there either. We're on ongoing discussions with other vaccine manufacturers about their plans for booster shots too. Voilà. Ben, c'est assez clair. Tu te leur fais jouer? Écoute, 30 millions de doses, 30 millions de doses, 60 millions de doses. Ah ouais, let's go sur 4 ans, bing bang, à tous les années, des doses. Puis je sais pas ce qui arrive à la dernière année, 60 millions de doses, j'ai... D'après moi, c'est un autre double shot, ça. T'es-tu gain dans une crissée du vin là-dedans, man? Oui, man. Il est dans le frigideur, t'es bien fait. Fait que... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Trudeau. Là. Dis-moi pas que je suis un complotiste, Mark Jones. Là. Parce que là, un moment donné... Bon, fait que celle-là, c'est fait, on l'enlève de là, supprimé, bye. Bon. Bye. Bye. Ici, ah oui, ça c'est bon, ça me semble. Ça fait un bout que je l'ai écouté, mais on va apprendre, grâce à notre ami indépendantiste Sylvain Roy, qui n'est plus membre d'aucun parti, si je me trompe pas, que le CIUS falsifiait des rapports, des statistiques. Et ça, c'est le 23 septembre 2021. Merci Sylvain Roy. Je l'ai déjà souvent dit, ce gars-là, je l'aime, il intègre, man. Il fait son mieux dans la vie. C'est un des mieux que j'ai dans l'Assemblée, je te le dis. C'est lui. T'as quelqu'un à voter? C'est lui. Député de Bonaventure, c'est depuis des années qu'il se bat, man, pour les OGM, l'école, il est tout le temps en train de se battre. Mais là, grâce à lui, il va déposer la preuve à l'Assemblée nationale, à la fin du vidéo, que le ministre et le CIUS cachent et falsifient des rapports. Je vous rappellerai qu'on est en crise sanitaire, OK? Merci encore une fois votre collaboration et votre attention. Monsieur le Président, depuis plusieurs années, la direction du site de Gaspésie fait les manchettes. Des allégations de népotisme mises en lumière en 2014 ont refait surface en février 2021 dans les médias. En réaction, nous avons fait appel à la population afin de documenter la gouvernance du CIS. La quantité et la nature de l'information reçue nous a ébranlés. Des allégations de trafic d'influence, de falsification de données, d'ingérence à la DPJ, d'intimidation, de destruction de documents, etc., nous ont été rapportées. Face à la gravité de la situation, nous avons transféré le dossier au bureau de la vérificatrice générale qui a enclenché une enquête. Malgré la présence des enquêteurs, la direction du CIS démontre une attitude d'impunité. Dernier événement troublant, des gens ont été menacés de voir leur carrière détruite s'ils envisageaient de quitter leur poste. Voilà la stratégie de rétention. C'est la goutte qui a fait déborder le vase et qui m'oblige à intervenir. Monsieur le Président, est-ce que le ministère de la Santé va relever de leurs fonctions les responsables du CIS le temps que le bureau de la BG fasse enquête? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Écoutez, monsieur le Président, c'est une situation... Gardons ça, c'est qui? Gardons ça, c'est qui, le Touki qui se fait accuser? Ben oui, c'est le Touki. J'ai même eu la chance là, d'échanger des courriels avec le député sur la situation. Je pense premièrement qu'il faut aussi bien comprendre
que la vérificatrice générale suit le dossier. Alors, je pense que là, maintenant qu'on est dans une discussion pour voir exactement quels sont les faits, je peux comprendre la frustration du député, mais je pense qu'on va suivre les lignes directrices de ce qui ont été mis. Si la vérificatrice générale qui est en train de vérifier les faits, M. le Président, nous donne des faits sur lesquels on devrait agir, comme on l'a fait dans plusieurs dossiers, on le fera. Mais pour le moment, j'aimerais ça qu'on laisse travailler la vérificatrice générale pour s'assurer que si nous devons agir, nous le ferons. Je pense qu'il est toujours important, M. le Président, surtout dans des situations délicates, là, puis je ne veux pas aller plus en détail sur les allégations, parce que, encore une fois, il y a plusieurs de ces faits-là qui sont des allégations qui ne sont pas encore été prouvées. Je pense, M. le Président, qu'il faut attendre le travail de la vérificatrice avant d'aller plus loin. Merci, M. le Président. Première complémentaire, M. le député de Bonaventure. Tout bien ça. Pour plusieurs, le site de la Gaspésie ressemble à une entreprise familiale qui gère des centaines de millions de dollars par année, qui n'a pour but que d'accumuler des privilèges pour le clan et qui n'hésite pas à mettre hors d'état de nuire tous ceux et celles qui s'opposent à leur volonté de pouvoir. Tout le monde sait que la machine se protège et nous craignons la disparition d'informations cruciales au travail des enquêteurs du bureau de la vérificatrice générale si les responsables demeurent en place. De plus, le ministre dit qu'il veut que le personnel soit heureux de retourner au travail. Il doit démontrer sa sincérité en agissant pour mettre fin au climat de terreur qui existe au site de la Gaspésie. Et des services sociaux. Je check bien la prochaine intervention de Sylvain. Écoutez, après. Monsieur le Président, là, je pense que... Va déposer le papier, ça va être puissant. Le député dit même qu'il ne faut pas que le gouvernement s'en mêle. Je pense qu'il faut faire attention ici, de respecter la façon dont on travaille lorsque, encore une fois, je le dis, il y a des allégations. On a ici une position, je vais me répéter, je suis désolé, là, mais c'est la même chose. On a des allégations qui ont été mises. Il faut avoir une vérification des faits, parce qu'on l'a vu souvent, M. le Président. Des fois, il y a des faits qui sont mis dans des situations, que ce soit au ministère de la Santé ou ailleurs. Puis lorsqu'on va vérifier les faits, bien, ils ne sont pas exacts. Puis il ne faut pas poser des gestes sur du personnel qui ne mérite pas de sanctions. Par contre, je dirais, s'il y a des sanctions à poser, une fois que les faits ont été posés... Deuxième complémentaire, M. le député de Bonaventure. Monsieur le Président, le ministre veut entendre parler de faits. J'ai ici un rapport d'actes médicaux déclaré par le CIS de la Gaspésie en 2019. Check bien ça. Et accepté par le ministère. Check bien ça. Avoir fait 1557 chirurgies cardiaques. Le problème, c'est qu'il ne se fait pas de chirurgie cardiaque en Gaspésie. Donc, ça, c'est un document falsifié et je le dépose. What the fuck, man? Le gouvernement dit qu'ils ont fait 1357 chirurgies dans un CIUS ou qu'il n'y en a pas de chirurgie cardiaque. Puis Chris, l'autre Stuki, il est là, il dit l'autre, il dépose le papier dans sa gueule. Fait qu'imaginez ça, c'est en 2019, ça, c'est début crise COVID. Just take for a fucking second. Who was there in front of the camera, Mr. Dubé? For what? Fausse déclaration. Faux rapport. Mafia de famille dans un CIUS où qu'on fait tout pour s'attribuer les pouvoirs et qu'on donne les titres administratifs dans la famille et qu'on se verse des bonus et autres. Qu'on fait des faux rapports pour empocher les dividendes. Tout ça dans un endroit où il n'y a aucun service de chirurgie. Puis le ministre de la Santé a approuvé le fait qu'il y a eu des chirurgies dans l'hôpital puis il nous prend pour des caves en nous disant « Mais on va attendre le rapport de la vérificatrice générale. » Hey, sérieusement, là, il serait vraiment temps qu'on comprenne là, que ça suffit. Là. Ça suffit. Là. Je sais pas s'il y a des policiers, des enquêteurs qui m'écoutent, là, mais s'il vous plaît, faites votre travail. Là. Il bafoue nos droits, puis les lois, puis les codes pénals à pu finir, la Constitution et le droit civil, ça finit plus, là. Là, il est vraiment temps que vous faites votre devoir sérieux, parce que moi, je suis plus capable, là. Puis moi, je suis un être pacifique, mais il y a des gens dans la société qui quand ils se sentent comme des animaux pris dans quatre coins, ça peut être terrible comme répercussion pour des humains, puis des gens, là, puis des familles, là. On peut pas laisser ça continuer comme ça, là.
Là, le gouvernement, il a dépensé de l'argent en envoyant des salaires. Là. Écoute, là, il a payé des gens, soi-disant, pour faire des chirurgies cardiaques qui n'ont jamais eu lieu. Puis là, après ça, eux autres, ils se disent, hey, regardez, les temps d'attente diminuent, les cardiaques, le délestage n'est pas si pire, puis on s'en sort très bien malgré la crise. Ils font des faux chiffres, puis des faux rapports. Ça paraît bien quand tu dis que tu as soigné 1300 quelques personnes que tu n'as jamais soigné. Ça paraît bien en esti, là. Ah, mais malgré les mesures sanitaires au Saguenay, on a réussi à faire tant de chirurgies pareil. On est incroyable, on est formidable. Non, dans les faits, t'as menti à côté, man. Puis là, je vois déjà l'armée de troll essayer de dire que c'est une fake news. Je te rappellerai que c'est un député, man, à l'Assemblée qui vient de déposer une preuve. OK? Fait que c'est pas juste Jonathan Blanchette qui rêve, là. Faudrait que tu manges ton saladier un peu, là. Consentement pour le dépôt du document. Consentement, Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Ben écoutez, je répète, Monsieur le Président, ce que j'ai déjà dit au député. On va rester en contact avec lui parce que je pense que la première chose que je dois faire, c'est m'assurer qu'on va développer le dossier, qu'on va le suivre de très proche. Ce que j'ai fait avec lui lorsqu'il m'a envoyé les premières correspondances. Je me suis assuré maintenant que le dossier est suivi, non seulement par mon cabinet, mais comme je l'ai expliqué, par la vérificatrice générale. Puis encore une fois, je le répète, M. le Président, s'il y a des faits qui sont jugés répréhensibles, si, par exemple, la PDG n'a pas suivi le code d'éthique, tout ce qui peut être fait, on l'a déjà démontré, M. le Président. Si, dans certains cas... Ouais, les valides qui ont des codes d'éthique, gardons ça, merci, t'es fin, Dubé. Je vais continuer à le faire, mais je vais avoir des faits très clairs avant d'agir. Je vais avoir des faits très clairs avant d'agir. Une astuce de chance que l'autre a déposé un document parce qu'il est encore en train de nier. Il est encore en train de nier. Fait que là, imagine-toi, tous les gens qui sont en place, là, tu penses-tu vraiment qu'ils sont pas déjà en train de faire le grand ménage? Tu penses-tu déjà qu'ils sont pas en train d'enlever des disques durs, effacer des dossiers, changer des registres? Tu penses-tu vraiment qu'il n'y a pas déjà une équipe d'informaticiens? Parce qu'il le dit, hein, Dubé, on va suivre le dossier de très près. Et je crois que je devrais m'entretenir avec monsieur. Fait que Sylvain Roy, lui, c'est sûr, il y a un appel, là. Ils ont dit, là, mon chum, tu vas te rendre jusqu'à où avec ça, là? T'es sérieux, là, de faire ça, là, en temps ici, de crise sanitaire, pis tout, pis de nous planter dans le pied de même? T'es-tu sûr, là? Parce que c'est sûr qu'il y a une discussion, là. Ils doivent promettre de l'argent, ils doivent le menacer, ils doivent essayer d'intimider, ils doivent faire comme ils font dans les films, hein, indirectement. Tu sais, il y a toutes les solutions dans les films, on les a toutes vues dans James Bond. Fait que là, le gouvernement, là, il doit se dire « fuck, man, qu'est-ce que lui y a? » Parce que moi, là, ce que j'aimerais voir éventuellement, c'est le ministre Dubé comme là. Puis là, eux autres, ils pensent qu'ils ont fait le clean-up dans leur système, là. Mais que tous les documents étaient déjà sauvegardés à plusieurs endroits, sur plusieurs disques, dans plusieurs maisons, dans plusieurs storages, voire même dans les containers random. Puis quand le gouvernement va dire « Oh là 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 », l'autre il va faire « Bang! » Voilà les papiers que tu pensais que tu avais effacés, mais j'en avais une copie, mon esti. Bang! Hein? Asti, là, on va voir la pyramide crisser le camp vite en esti. J'espère vraiment que Sylvain Roy a accès à ces documents-là, puis que c'était pas juste une seule feuille. Puis j'espère vraiment que Christian Dubé puis les ministres à l'Assemblée vont se tirer dans le pied en pensant être capables d'effacer toutes les traces, puis qu'ils vont se tirer dans le pied, man. J'espère vraiment qu'ils vont être arrogants au point de négliger nous, le dernier rempart de ces malades. Moi, ça me fait capoter, honnêtement, là. Moi, quand je vois ça. Puis là, ça, là, vous l'avez sûrement déjà vu parce qu'on est en retard. Mais ça, là, c'est spécial Tommy Godet. Parce que le soir de son fucking débat, là, il me dit que j'étais un menteur, puis que je disais n'importe quoi, puis que je m'appuyais sur rien. Il est même parti à rire quand j'ai parlé du cerveau reptilien en disant que je parlais de reptiles et tout. Mais moi, j'ai parlé de Wuhan, puis j'avais parlé que les enquêteurs n'avaient pas trouvé rien, puis j'avais parlé de la fuite de la sécurité du Canada, puis tout ce qui avait été dans les médias, puis il disait que j'étais fou. Ben ça, on l'a vu, ça date du 25 septembre, fait que sûrement que vous l'avez vu, les gens, mais il faut que je le mette d'en face à Tommy Godet. Parce que moi, j'étais un gars de même, je m'en souviens. C'est sur ma plaque d'auto. Il était causé par un accident de laboratoire.
Jusqu'à récemment, ceux qui évoquaient cette hypothèse étaient vus comme des complotistes. Et pourtant, de plus en plus de scientifiques croient que c'est possible et montrent du doigt les expériences en laboratoire menées à Wuhan, en Chine. L'OMS et de nombreux pays s'en inquiètent. Alors, comment expliquer ce changement? Mets ça dans ta pipe, Mark Jones. L'émission Découverte s'est penchée sur ce dossier. Vinan, c'est intéressant parce qu'au départ, vous vouliez montrer que la théorie d'une fuite de laboratoire n'était pas plausible. Or, vos recherches vous ont amené complètement ailleurs. Mais voilà, alors le ton a vraiment évolué tout au long de notre enquête. Là, ça fait 5 mois que nous travaillons dessus. Et au fur et à mesure qu'on avançait, plus le ton évoluait et plus les éléments indiquaient qu'il existe en effet des risques clairs à Wuhan d'une fuite de laboratoire. Alors notamment, on sait que Wuhan, après l'Institut de virologie, épicentre de la recherche mondiale sur les coronavirus de type SRAS, les chercheurs parcourent la Chine à la recherche des pathogènes potentiels à potentiel pandémique. Ils prélèvent des échantillons sur des chauves-souris, sur des humains et les ramènent à Wuhan, construisant l'une des plus importantes collections de coronavirus de type SRAS au monde. Et c'est encore plus inquiétant car ils menaient à Wuhan des expériences controversées qui sont disputés ou controversés ou pointés du doigt depuis plus de 20 ans et dénoncés. Et ces expériences avaient quand même lieu. Alors on prenait des coronavirus et on les rendait capables d'infecter l'humain. Et on entend à ce sujet Richard Ebright. Dans leur projet, ils ont construit de nouveaux coronavirus chimères. Ils ont pris le gène de spicule d'un coronavirus de type SRAS jamais caractérisé et l'ont inséré dans un squelette du premier SRAS. Ils ont montré que le nouveau virus chimère pouvait infecter des cellules humaines. Alors comment expliquer qu'on n'en ait pas parlé plus que ça, ou en tout cas qu'on n'ait pas considéré cette théorie plus sérieusement que ça? Mais là est toute la question, en fait, devant l'évidence d'un risque à Wuhan, comment ça se fait qu'il a fallu plus d'un an pour qu'on commence à en discuter? Comment ça se fait que les scientifiques avaient tant de difficultés à en discuter? Eh bien, on s'est rendu compte au cours de la dernière année qu'il y avait d'influents acteurs, notamment le gouvernement américain, mais aussi tous ceux qui se sont impliqués dans les investissements avec l'Institut de virologie. Puis là, elle a renommé celle du Canada, mais c'est qui a empêché le rapport? Gérard Deltel, il a demandé au Parlement, puis plusieurs parlementaires ont demandé à Justin Trudeau de déclassifier les papiers, puis tout, puis de les donner au Parlement qui puisse les analyser sans nécessairement toutes les publier, justement pour protéger l'État, là, t'sais, la sécurité publique, parce qu'il y aurait de l'information sensible à cause du type de recherche qu'il y avait dans le laboratoire. Fait que le gouvernement Trudeau, il a refusé. Ah, t'as misère à avoir l'information, les Américains, ouais, les Canadiens, les Européens, les Chinois, mais finalement, tout ce qui est autour de toi, ben ouais, mais c'est toi qui complote. Ça me fait plaisir d'être un con qui plotte. Malgré la controverse sur ce type d'expérience, qui avait tout avantage à ce que cette discussion n'ait pas lieu. Et il y a eu, dès le début de la pandémie, des lettres influentes créant cette impression de consensus scientifique, ce qui fait que par la suite, il a été difficile pour les scientifiques de commencer à discuter même de l'éventuelle hypothèse. Il n'y a pas eu de débat public et encore plus inquiétant, c'est qu'on n'a toujours pas eu, à ce jour, un an et demi plus tard, une véritable enquête sur une possible fuite de laboratoire, malgré... On n'a toujours pas eu une véritable enquête un an et demi plus tard! Ah mon Dieu, je trouve ça drôle, je m'appelle Mark Jones! Putain que c'est cool! Ouais! Un des plus grands préjudices à faire à la société moderne, l'économie moderne, ouais, c'est trop cool! Ouais! Les efforts de l'OMS. Et vous êtes justement penché aussi sur cette enquête assez controversée menée par l'OMS sur l'origine du virus. Mais oui, on se rend compte qu'ils ont exploré principalement l'avenue des origines naturelles. C'était une enquête, on dit que c'est une enquête, mais en fait c'était une étude qui était fortement influencée par la Chine. Et à ce jour, on n'a toujours pas retrouvé de traces sur le terrain de l'existence de coronavirus dans les communautés du monde. C'est ce que je te disais, Tommy, quand tu riais, qu'il n'y avait pas trouvé de traces nulle part. Bon, OK, prends 3 secondes et demie. Ils n'ont pas trouvé de traces nulle part. Il reste juste une solution. Et dans un laboratoire militaire top secret, pour ceux qui ne l'ont pas trouvé nulle part. Oh, comme j'essayais d'expliquer à Tommy Godette puis sa gang de Mark Jones de 2 watts. Là. Fait que voilà. Fait que je vous pose la question à vous.
si le coronavirus n'a pas été trouvé nulle part dans le milieu naturel à l'extérieur ou dans le Wuhan? Serait-il parce qu'il était dans un laboratoire? Serait-il pour ça qu'il n'a pas été trouvé? C'est un militaire top secret caché. Et pour ça, tous les gouvernements américains, européens, canadiens, chinois travaillent très fort à garder le secret. Parce que c'était tout planifié depuis probablement les Olympiques chinois. Ben ouais, et bien avant. Et bien avant, parce que je regarde Rockefeller Foundation 2010, PDF. Et ouais, c'est tout écrit. Noir sur blanc, tout est là. Tout est là. Rockefeller Foundation 2010, scénario de Tuki. Et voilà. C'est magnifique la vie d'un artiste. Communauté du marché de Wuhan ou à Wuhan qui pourrait démontrer une hypothèse ou une origine naturelle du virus. Alors, Binal, merci beaucoup. Pas d'hypothèse ou d'origine naturelle du virus. Bah. Allô, Tuki, reste quelle option, là? Ben, le laboratoire! Oh, Wuhan! Bon. Non, mais Chris, sérieux, c'est comme, j'ai-tu besoin d'avoir un doctorat, genre, pour faire l'analogie de ça, là? C'est quoi, ça prend un doctorat avec un baccalauréat puis 302 diplômes sur le mur pour comprendre ça, sérieux? Oui, il y a une bonne compréhension. Non, mais à un moment donné, là, je veux dire, écoute, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais les débrouillards, les 100 watts, les rigolos, puis toutes sortes de conneries. C'était les zigotos, c'est ça. Les zigotos. Hey, des affaires d'agents secrets, puis tout. Ils font plus ça, les jeunes, à l'école, là. C'est fini, ça. Je fais juste regarder les jeux vidéo quand j'ai 13-14 ans. Hey, c'était fucking tactique à côté. Hein. C'était dur. Il y a des affaires logiques, des puzzles, toutes sortes d'affaires. À cette heure, tu fais un piton, t'as 12 moves. Tout dépendant de ce qu'il y en a avant de toi, tu payes sur le piton, puis le bonhomme, il fait 300 kickflips. Il tord le cou, il sort le grappling, il s'envole, il flippe dans son jet. Il est rendu sur la lune. Toi, t'as pesé Y, B. C'est ça. Ah ouais, je te le dis. T'es garde, tu sais, c'est ça que c'est une vraie question de gilet jaune. Ça, là, c'est ça. Ça, c'est une vraie question de gilet jaune. Tantôt, tu sais, qu'est-ce que vous faites avec notre argent? Ben ouais. 24 septembre 2021 en France. Balance ton pot. Gilet jaune. Ouais. Vous avez fait quoi de notre argent à l'ensemble des contribuables français qui aujourd'hui participent à la solidarité nationale de par l'impôt? Posez-vous la même question vis-à-vis le Québec. Nous avons votre réponse. Et vous avez répondu non, vous êtes contre la vaccination obligatoire. Ouais, mais je vais surtout rebondir sur ce que dit monsieur le député, parce que depuis plusieurs années, en fréquentant les plateaux, le principal argument des députés, c'est pas de notre faute. Nous, on est arrivés, le problème était déjà là. On est clairement sur un manque de moyens. Vous l'avez dit tout au début de l'émission. C'est-à-dire on est responsable de tout. Mais à un moment donné, vous vous êtes présenté, vous avez accepté les responsabilités et d'accepter le travail de ce qui a été fait derrière. Moi, j'ai une question. Vous avez dit 19 milliards pour le personnel de santé? Pour l'hôpital en général. Pour l'hôpital en général, d'accord. Oui. 240 milliards pour les entreprises, c'est très bien. Pourquoi pas 240 milliards pour les hôpitaux? On se pose la même question, hein. Tant de milliards pour les hôpitaux, mais combien de milliards pour les entreprises, hein? Il l'a pogné en tabarnak. Oh ouais, vous investissez 19 milliards pour les hôpitaux? Ah ouais, c'est bien, hein. Mais pourquoi vous en avez donné 240 milliards aux entreprises? Ben ouais, parce qu'on est en crise sanitaire, là. On manque d'infirmières, de préposés. Les gens se meurent dans la rue, là. C'est une crise sociale. Alors pourquoi vous nous faites chier avec vos 19 milliards d'euros à l'hôpital en général? En général? Et que vous donnez 240 milliards aux industries et aux compagnies? Hein? Voilà Mark Jones qui débarque. Hein? Rien à dire, Mark Jones, hein? T'es un asti de Tuki. T'es comme le ministre. 240 milliards pour les hôpitaux. Aujourd'hui, vous dites que le vaccin est gratuit. Lui, il est comme le ministre que j'ai dans le choc. T'appelles ça avoir le ministre en France. Qu'est-ce que vous avez fait de notre argent? Qu'est-ce que vous avez fait de notre argent? Je finis juste parce que j'ai besoin de cette réponse, moi, aujourd'hui, parce que ça, c'est une vraie question gilet jaune. Ouais. Vous avez fait quoi de notre argent à l'ensemble des contribuables français qui, aujourd'hui, participent à la solidarité nationale de par l'impôt? Pour que les hôpitaux soient dans cet état, de là à faire porter la responsabilité à des soignants de transmettre le virus, non, attendez, de propager le virus, il est où le matériel pour que les gens puissent travailler? J'entendais monsieur Hamon parler d'oxygène. Oui. Comment ça se fait que dans un pays dans la France on n'a pas d'oxygène? Eh oui. Comment ça se fait que dans un pays comme la France on n'a pas d'oxygène? Les gens du COVID, tous ils ont des problèmes respiratoires, il n'y a pas d'oxygène. Mais l'autre, il vient de dire qu'il donnait 19 milliards en général aux hôpitaux. Ouais, ben au lieu de donner 240 milliards aux entreprises, t'aurais peut-être dû mettre 259 milliards dans les hôpitaux.
Hein? Ouais. Pour avoir de l'oxygène, puis du personnel, puis des bâtiments annexes pour mettre les gens, comme on dit, qui ont la COVID ailleurs que où que t'opères des chirurgies et des cancers pour pas créer de délestage, puis, tu sais. C'est ça leur face quand tu leur parles, si tu veux que je te dise. Il est où votre argent? Il passe aussi dans l'école, il passe aussi dans les routes, il passe dans toutes les infrastructures. On pourrait vous citer, vous savez, on n'a jamais caché l'argent. Les écoles vont mieux, les routes vont mieux. Mais on n'a jamais caché l'argent, monsieur. Mais je ne dis pas que vous le cachez, je demande de l'utiliser aujourd'hui. Et voilà, même affaire que nous autres. Je ne dis pas qu'ils le cachent, je veux savoir où qu'ils le mettent. Je veux savoir, t'as-tu engagé des préposés ou t'as acheté des chaises de bureau, comme on disait tantôt? T'as-tu engagé des infirmières ou t'as peinturé? T'as-tu engagé des médecins puis acheté de l'outillerie pour faire des chirurgies? Ou... whatever, là. Tu comprends? Je veux dire, les possibilités sont infinies. Là. Parce que là, en ce moment, là, dans les services de santé, ça coûte combien au ministère, là, les purelles puis les masques puis tout partout? Non, on a mis 45 milliards au Québec en santé, OK? 45 milliards, il y a 23 000 médecins. Il y a 23 303 médecins. Il y a à peu près 80 500 infirmières. Tu viens de tomber à 103 000 personnels de santé plus les préposés. 103 000 personnels de santé, ça ne coûte pas 45 milliards. Là, tu vas me dire, ah, Jonathan, on est bâtisse. Ouais, mais les bâtisses au gouvernement, il ne se fait pas payer un loyer à lui-même, là, Chris, là. Il y a tout de bien des limites à payer un loyer au gouvernement de la bâtisse à nous-mêmes, là, à l'eau, là. Ensuite de ça, l'électricité, elle vient nous-mêmes. Le gouvernement, c'est Hydro-Québec. Et l'électricité de la bâtisse vient à nous-mêmes. Tu sais, à un moment donné, allume, là. Puis là, en plus, on a privatisé le stationnement pour faire de l'argent, puis la cafétéria, puis il y a des distributeurs, puis il y a des frais annexes dans les affaires, les assureurs, les ci, les ça. Fait que là, je comprends pas, là, avec 45 milliards, qu'on soit pas capable de runner bâtisse. Je comprends pas ça. Là, tu vas me dire, mais Jonathan, t'as pas compté tous les personnels de nettoyage, puis les produits, puis les médicaments. Ouais, c'est sûrement ça le problème. Les médicaments. Parce que quand que je regarde le coût de certains traitements, c'est hallucinant. Mais quand on regarde le coût que ça nous coûterait si nous-mêmes, en tant que société, on le créerait et on le distribuerait à nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, on réaliserait à quel point qu'on sauverait probablement quelques milliards, c'est 45 milliards. Mais ça, faut pas que tu le dises trop fort parce que les voisins, ils vont appeler la police. Ça va 11 heures bientôt, là. Sur votre fiche d'imposition, c'est même marqué. Il y a un site qui s'appelle À quoi sert mon impôt. Alors, il ne paye pas sur la médecine ambulatoire non plus. Les impôts, juste oui ou non, monsieur le député. Est-ce que les impôts nous payent le vaccin, oui ou non? Et ça fait partie de la solidarité. Mais oui ou non, un député. Moi, je rêve d'un député. Ça, c'est un bon point, écoute bien. Est-ce que nos impôts financent les vaccins? Je suis en train de vous répondre que, évidemment, que ce sont vos impôts. Ah, bah, je ne vais pas venir dire le contraire il y a deux minutes, c'est gratuit. Et voilà, je viens de dire le contraire il y a deux minutes, les vaccins sont gratuits. Ben alors, les vaccins sont gratuits ou vous les payez avec nos impôts? Donc, allez arrêter de mentir, ils ne sont pas gratuits les vaccins. On les paye avec nos impôts. Et voilà, ben, je n'arrête pas de dire à tout le monde c'est gratuit, c'est pas gratuit pantoute. En quoi c'est gratuit le vaccin? On le paye, est-ce-t-il? On le paye globalement avec les impôts. Ça s'appelle la solidarité nationale, monsieur. C'est-à-dire que l'impôt global sert à la solidarité nationale. C'est-à-dire que ça a toujours marché. Il y a des pays où il y a un impôt et vous payez en plus. Donc, monsieur, en France, on parle de la France. Aujourd'hui, on paye un impôt qui est censé financer notre santé. Où est l'argent? L'herbe est plus verte aux États-Unis. Allez-y, par contre, là, vous allez payer des impôts. Justement, l'herbe n'est pas plus verte aux États-Unis. Quand un accouchement coûte 50 000 euros aux États-Unis, c'est clair qu'en France, on est bien mieux lotis. Mais aujourd'hui, quand on voit l'état de la France, l'état des hôpitaux, à la moindre épidémie qui arrive, on se pose les questions. Qu'est-ce que vous avez fait de notre argent? La moindre épidémie, mais il y avait des bons points, hein, le gars. Il y avait des bons points, c'était lui ici, on enlève ça. Annuler l'enregistrement, bing bang. Là, on va s'en mettre un dernier parce que ça en vient tard, là. Un petit dernier, tout le monde. Faut que je le choisisse, là, c'est pas facile, hein?
ce qu'on fait avec ça. Ben, moi, j'ai le goût de mettre celle de Catherine Dorion. On va essayer d'aller chercher un petit peu l'émotion. Je trouve que c'est la métaphore parfaite, les élargissements d'autoroutes, les ajouts d'autoroutes. Je trouve que c'est la métaphore parfaite pour l'époque qu'on est en train de vivre. T'sais, des fois, on arrive le soir, on a beaucoup de travail, les enfants sont là, il faudrait commencer le souper, il faut tout, mais on se dit, ah, je vais faire une heure de travail parce que j'en ai trop de travail. Je vais en faire une, là, puis après, je vais me sentir mieux, je vais être plus libérée. Mais c'est pas ça que ça fait au final. Ça te libère pas. Ça t'en enlève pas du travail. Ça fait juste en rajouter. Tu t'es mis une heure de plus, puis le lendemain, ça va être une heure de plus aussi, puis le surlendemain, puis ça va être le samedi au complet, parce que tu fais toujours laisser de plus en plus de place au travail. Ben, c'est la même chose avec les routes. Tu rajoutes des autoroutes parce que tu te dis, ah, on va pouvoir souffler, avoir moins de congestion, mais non, au fond, ce que tu viens de rajouter, c'est des autos. C'est du trafic qui rentre plus au centre-ville. On a la chance, Québec, d'être à un moment de son histoire où elle peut se développer avec tout ce qui se fait de plus moderne pour ne pas vivre le développement qu'a vécu Montréal, ils sont obligés de réparer en ce moment. On peut-tu faire ça intelligemment avec les connaissances du jour? J'aimerais ça qu'on pense autrement, généralement. J'aimerais ça que notre avenir soit en des mains du monde, de monde qui aimerait ça qu'on, qu'on pense autrement que toujours faire plus, plus, plus pour être pogné avec encore plus, plus, plus. Avoir plus de place dans nos têtes, plus de place dans nos villes. Plus de place pour jouer dehors, plus de place pour se faire des terrasses, pour s'asseoir sur le balcon, pour finalement faire d'autres choses que juste aller au travail, revenir du travail. Dans un trafic de plus en plus dense, toujours. Je trouve que c'est pas un bel avenir pour le Québec. J'aimerais ça que cette vision de libérer de l'espace, de libérer de l'espace mental aussi, soit partagée par le gouvernement. Il va falloir que j'attende encore un peu. Ben ça, va falloir qu'on attende encore un peu, man. Fait que moi aussi, j'aurais aimé ça qu'on pense autrement parce que si on prend ce qu'elle a dit, mais qu'on l'applique vraiment au facteur humain au complet, là, ça marche encore mieux qu'avec son petit bout ou qu'elle se met à parler d'autoroute, OK? Puis il est vraiment temps, justement, qu'on pense différemment. Parce que ça se peut pas qu'on prenne les mêmes erreurs comme elle explique par rapport au développement de Montréal, qu'on le reproduise au Québec. Mais ça n'a pas rapport non plus qu'on prenne les mêmes erreurs de développement social, psychosocial et autres, puis qu'on les reproduise à nouveau encore. Ça suffit. On peut-tu en venir à quelque chose de plus réfléchi, de moderne, d'humain, de conscient, d'adapté au goût du jour et à la réalité du jour, plutôt que de succomber à l'industrie des vieux dinosaures qui veulent toujours nous vendre la même chose, encore et encore. Fait que merci à vous d'être là, puis du gros big love à toi. Oui, toi, là. Oh oui, toi. Oh oui, toi, là. C'est ça, c'est toi. Ouais. Parce que t'es bien important. Parce que t'es un pilier du dernier rempart au Québec. Tu comprends-tu l'importance que t'as? T'es rendu précieux parce que t'es rare, man. T'es rendu rare. Tu représentes une espèce en voie d'extinction nommée conviction, courage, détermination. OK? Fait que rappelle-toi que tu te dois de porter cet exemple à chaque seconde de ton présent pour permettre aux autres d'apprendre et d'apprendre ce magnifique cadeau, hein. Mais voilà, que tu représentes par ton présent et ta présence. Fait que, en terminant, rappelle-toi que tu es créateur et créatrice et tu crées le monde de demain. So, je te demande par tes deux mains de quitter cette matrice. Fait que je vais relaisser jouer notre belle chanson de Size et mesures sanitaires, juste pour ceux qui l'auraient manqué au début. Puis merci encore d'être solidaire. On a une petite annonce de 5 secondes. C'est bien commencé. Des années de schtroumpf. Oh, tu fais taper, elle est en fin. T'as-tu vu ça, comment ils m'ont tapé? Ils ont dit, Joe, tu t'es tapé, man. Il dit, tu l'as fait jouer tantôt, là, elle est à la fin, Joe. Fait que non seulement t'as une toune, mais t'as un moment cocasse. Dis-le pas, là. Fais pas de bloopers avec ça. C'est 1500 piastres de triquette si tu mets les pieds à la casa. J'allume des fusées pis j'envoie ça dans les airs comme la NASA. Tu veux parler conspiration? Si j'étais toi, j'irais pas là. En direct de mon camp de concentration, j'aiguise mon rap à l'or.
Je cache ma colère derrière mon pantano. Ils veulent m'apprendre à me détendre en faisant des mantalons. Y'a pas de collabo dans mon armateur. Besoin d'une cible à démolir, sinon je rappe Nathan. C'est pas si mal, ça va, mais je leur donnerai pas la chance de me manger la laine sur le dos comme un alpaca. Ça va bien aller, mais j'ai bien vu là-bas. Ils nous ont menti pour le bénéf comme l'industrie du tabac. Y'a pas de prorata, ils ont piraté nos data. Chill out sur la plage avec un fucking pinocolata. Aucun dialogue, dis à l'homme que j'ai du mal à voir la lumière au bout du tunnel comme les Tiziana. Oh, ça va, ça va. Les mesures sanitaires font plus de mal que le virus, mais ça va, ça va. Être complotiste est un nouveau terme à la mode. Ils ont emprisonné le monde, mais ça va, ça va. Oh, ça va, ça va. La SQDC et la SAC sont des services essentiels, mais ça va, ça va. Un masque c'est bien, mais deux c'est mieux. Ils nous ont mis un couvre-feu, mais ça va. Je ne vous souhaiterais pas joyeux Halloween à coup de katana. Mon frère, c'est même pas la peine de dire Hakuna Matata. Au nom de rien du tout, ils sont devenus foufados. Ça parle, ça queen, ça trahit et ça triche. Après, ça joue à 100. Je suis une menace pour les moutons comme les loups dans le Montana. Rien que pour voir ce que t'as dans le ventre, je vais draper des rayons gamants. Je paierai pas 2000 ronds pour assister à ton galop. Ils veulent nous vendre du rêve, j'ai déchiré le pont d'achat. J'arrive comme une balle de douce dans une piñata. Au-dessus, j'ai vu un poisson rouge transformé en piranha. La vie est assez dure, j'ai pas besoin de vie à grand. Mais si j'aurais, les j'aurais dû, jamais je ne me fie à ça. Ils ont reçu leur PCU, sachant au Canada. Assis en rond au pied d'un arc-en-ciel, en check en TVA. Les différents paliers se renvoient la balle, mais ça va. Ils ont flingué la liberté d'expression, mais ça va, ça va. Oh, ça va, ça va. Les mesures sanitaires font plus de mal que le virus, mais ça va, ça va. Être complotiste est un nouveau terme à la mode. Ils ont emprisonné le monde, mais ça va, ça va. Oh, ça va, ça va. La SQDC et la SAC sont des services essentiels, mais ça va, ça va. Un masque c'est bien, mais deux c'est mieux. Ils nous ont mis un couvre-feu, mais ça va. Ça, ça va. Fait que salut tout le monde. Fait que rappelle-toi, hein. Je t'aime. Oui, oui, toi, là. Reste tranquille, salut.